Ici, je vous présente un travail donc, qui a été fait, qui représente donc une cabane dans les bois. Une cabane dans les bois, on voit le sentier, et donc c'est une petite cabane construite dans la forêt sur un arbre. Voilà. Et la particularité de ce dessin-là, c'est qu'il était fait au crayon de couleur. Donc, ce crayon a été fait par au crayon de couleur, mais pas par n'importe quel crayon de couleur, par trois crayons de couleur. Et ces trois crayons de couleur, c'est exactement le rouge, le bleu et le jaune. Rouge, bleu, jaune. Donc, c'est-à-dire des crayons de couleur qui ont joué le rôle de, enfin, j'ai joué le rôle au niveau des crayons de couleur de synthèse soustractive. Synthèse soustractive. C'est pour ça que j'ai utilisé le crayon rouge, crayon bleu, crayon jaune. Bon, pour avoir de l'orange, comment est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai colorié du rouge et du jaune. Si je voulais du mauve là-dedans, mais j'avais colorié du bleu et du rouge. Et si je veux du vert, ben, j'ai colorié du bleu et du jaune. Ah, mais vous allez me dire, ouais, mais le noir, comment on fait le noir? Le noir, mais j'ai essayé de mélanger un rouge, bleu et jaune. Et d'essayer d'assurer d'avoir un noir. Ça, c'est ce qu'on appelle la synthèse dite soustractive. Voilà. Le tout, c'est de d'impressionner, donc d'avoir une impression de couleur et d'une densité généralement superposable. Densité superposable. Voilà. Donc j'essaie d'avoir une densité superposable. Comment? Ben, en faisant des mélanges dosés. J'essaie d'avoir des couleurs dosées. Autant de rouge, autant de bleu, autant de jaune. Et c'est à partir de là que j'essaie d'avoir l'aboutissement, on va dire, des différentes teintes que l'on voit sur le dessin. Alors bien sûr, vous aurez compris que j'ai eu des difficultés à faire ça, parce que bon. Il faut trouver les bonnes couleurs et il faut avoir les bons mélanges et les bons dosages du crayon, enfin au crayon, pour je veux dire avoir une bonne reproduction fidèle de je veux dire de du bois et de sa cabane, enfin du bois et de sa cabane et de en fait des éléments que l'on a, je veux dire, en face de soi quand on dessine. Autant dire que j'ai eu beaucoup de difficultés à faire ça, mais malgré tout, les tons sont proches, on va dire, de la réalité. Je vous remercie.